ces trois ingrédients qui sont un super chimie et qui fait vraiment pour moi un trésor. Une ombre comme ça, chinoise, assez, assez étrange, quoi, qui avance comme ça. Parce que c'est ça, c'est ça, unir les sons, c'est créer un machin comme ça qui n'existe pas, quoi. Alors, des fois on n'est pas d'accord, des fois on est d'accord, puis tout d'un coup, on arrive à trouver une sortie, une solution commune qu'on a trouvée ensemble. Souvent c'est des histoires qu'on se raconte, mais des fois c'est des trucs qui sont un peu barrés. Ça tourne. Et finalement, très vite, quand on travaille une partition, on arrive au moment où on se dit, bon, qu'est-ce qu'on a envie d'entendre? Qu'est-ce qu'on imagine? Mélanger avec ces deux instruments aussi beaux et ces deux musiciens aussi géniaux. Moi, j'adore cette métamorphose et tout ce qu'elle grandit avec nous. On tente aussi, on remet en question la forme du concert elle-même, le déroulement du concert. Nous, on ne vit pas le même temps. C'est complexe d'amener ça, mais c'est passionnant de s'y,
de s'y pencher. Je sens pas un noir. Quoi? C'est trop démodé. Ok. Ça devient vraiment pompeux, quoi. Ouais. Je crois qu'il faut pas qu'on le fasse aussi long. Ça manque de férocité. Puis on avance, on ne vise pas un résultat, c'est-à-dire qu'on essaie de voir ce qui va sortir de tout ça. C'est comme une petite boîte à musique que tu mets tout près de l'oreille. Tu vas façonner de l'autre côté, tu vas façonner
de la musique et puis tu vas tenir les choses, les retenir et tout ce qui te tient en fait. Un médicament qui fait du bien. Silence.